Alléluia. C'est Léo Tapper, vous me connaissez depuis États-Unis, Abidjan, Paris. Vous savez qui je suis. Moi, c'est Léo Tapper, je suis de Haïti Gribe. Aujourd'hui, nous sommes à Philadelphie avec nos sœurs aussi qui font partie du Gribe, qui est aussi leur doux pays. Bon, voilà, moi, je vais juste profiter de l'occasion de ton micro pour dire merci à tous ceux qui m'ont reçu depuis Abidjan. Un grand merci, bon, les mots me manquent, je ne sais pas qui effectivement dit merci, mais je vais dire merci à Isaac Ligou Abidjan. Ok, merci, voilà. Merci encore à Maman Blessing, merci à Mary Love, merci à Lucien Tapé, merci à Kero qui m'a amené dans le bois sacré. Enfin, je ne vous connais pas tous de nom, et puis bon, voilà, Maman Dodo, et voilà, à tout le monde, je vous dis merci encore une fois. Voilà, on va se présenter. Bonjour, Aïse Grigue, c'est Liliane Christelle, Aïse Grigue, US. Bonjour, moi c'est Jocelyne Seri, Aïse Grigue, US. Moi c'est Victoire Canon, Aïse Grigue, US. La Doubéi de Goku Tapé. Moi c'est Marie Tapé, Aïse Grigue, Popo Tipo. USA. Merci, merci. Voilà, ils se sont tous présentés. C'est quoi? Ton bidet, c'est... André Damar. Je voulais en profiter à l'occasion de cette rencontre. Je dis merci André Damar pour les funérailles de ma mère à Londres. Vraiment, tu as été formidable. Bisous. Bon oui, on profite aussi de l'occasion pour dire que tu sais qu'il y a son anniversaire qui s'amène. Hein? Oui, qu'est-ce qu'on prépare pour son anniversaire? Oh, pour l'anniversaire d'André Damar à Londres le 18 juillet. On va chanter. On sera. Bon, toi, Aïse Grigue va pas être là-bas. Bon, certaines vont partir. So, bon, on se réduira. On se réduira. Yes. Okay. Mais et toi? Madame Nadia, au goût du goût. Au goût du goût, il a donné l'air de dire qu'il t'aime toujours là. Qu'est-ce que tu as à dire à ça? Ah bon, j'aime bien mon Doubéi. Mary Love. Si Mary Love ne fait pas vite, hein? C'est que les Doubéi des gens sont en danger. C'est tout ce que je sais. D'accord. Parce que elle là, c'est elle. La brancheuse. La brancheuse, oui. Donc, tout est dans son camp. C'est entre elle et moi. D'accord. Voilà. Là où je fais surface maintenant, là. Mary Love, pardon. Il faut bien regarder. Parce que moi, j'aime ce qui est bien. Voilà. Tout le monde est bien. Parce que là. C'est bien, ça commence comme ça parce qu'on peut voyager comme beaucoup tapé. Le Doubéi de Victoire Canon. Tiki. Elle s'est retrouvée à Abidjan avec le groupe de Maman Blessing. Mamie Blessing. Comme ça, on va aussi se retrouver à Paris. On va aussi se retrouver partout. À Londres et à Abidjan. Mais il y a chose, comme on appelle, en Australie. C'est qui s'est vraiment passé à Abidjan quand je suis allé. Moi, j'ai croisé... Toi, tu filmais ce qu'elle disait là. Mm-hmm. Ouais, j'ai vraiment croisé une très bonne famille à Abidjan. D'abord à Paris, j'ai croisé, comment on peut dire, Sawazia, celle qui m'a mis en contact avec sa maman de... Comment j'appelle ça, d'Abidjan, qui dit voilà, Blessing, Mamie Blessing, ça c'est ma maman, j'ai réalisé, pour la voir, voilà, elle va s'occuper de toi. Et effectivement, j'ai appelé maman, je suis arrivé et dit, bon voilà, moi c'est tapé, c'est beaucoup tapé, bon, donc on aime, ah, bon, arrivé tout. Elle m'a donné son nom de Dieu, elle a appelé tout le monde. Bon, les gars se sont retournés, on s'est retrouvés quelque part vers le 220 là. En fait, vous allez voir, c'est une grande fête, ils m'ont reçu comme un prince. Ouais. Tout le monde était là. Et Dieu merci, ils ont tous effectué le déplacement, ils sont déplacés pour moi, pour me voir, pour passer le temps avec moi. Allez, on se
Je suis le plus choco. Le plus choco de ta génération, c'est moi. Il va arriver. On peut pas dire à tout le monde ça. Regarde. Regarde. Tapez. Là. On va commenter. Là. 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 Non, non. Là. 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 C'est la vidéo là. Bon, alors, c'est la vidéo. Vous êtes en retard. Et après ça, les garçons, monsieur, comment ils appellent ça? Taper Lucien, puis. Avec, comment il s'appelle Kiero, le grand Kiero. Ils m'ont amené dans le bois sacré. Il sera introduit ce soir dans la forêt. Le futur membre, après Gabou, Yegrei, c'est Goku, qui sera baptisé dans la forêt. Ce soir, c'est tout. Il n'y a rien à faire. Sincèrement, il faut l'avouer, j'ai fui le bois sacré parce que je voyais maman. Je voyais maman, je lui ai dit que j'y arrivais. Parce que là, on a commencé avec... Ils m'ont reçu comme un prince. Là, je ne sais pas. Donc, imagine combien de bouteilles de vin, c'est qu'on peut. Déjà, maintenant, j'ai tapé. Tu as tapé. Et puis, je me suis tapé. Il était en train de me taper. Taper Lucien, me taper aussi. Kiero, lui, avec ses pas de danse. Non, il est fort, cet enfant. Au moins que Dieu le bénisse d'abord. Amen. Donc, nous sommes allés là. J'étais obligé de fuir parce qu'on dit ah, un Américain qui est arrivé, on devrait te coucher dans ma vie. Il fallait que je garde la dignité de l'Amérique en moi. Donc j'ai fui, je suis parti à la maison. C'est juste pour dire merci à tout le monde. Je ne sais pas comment je disais là. Merci à Blessing, merci à Bobo, hein? Anakizi, maman Anakizi, bisous à toi là-bas. Also, merci à. Comment on appelle la jolie femme que la Libanaise. Non, la Libanaise. La Libanaise. C'est vrai qu'elle Mérilon. La Libanaise, Merlon. Encore, je reviens encore sur. Comment j'appelle ça là Blessing. Je lui surnomme. Comment j'appelle ça là la Tour Eiffel du Bibé. Pourquoi la Tour Eiffel du Bibé? Parce que quand tu arrives là-bas, au pays, tout le monde va voir Blessing. Tout le monde, elle reçoit tout le monde. Elle est gentille, ton cœur est blanc. Naturellement, elle est à Paris là. Donc, un gros bisou à toi à Paris. Et puis bon, voilà. Il n'y a pas de questions. Hein? On applaudit Maman Blessing. Tout Aïzé, ils sont sortis. Les gars que je ne connaissais pas, ils sont sortis. Tout Aïzé. C'est comme on était ensemble. C'est comme on était là. Comme ça. On était frères, amis et tout. Vraiment, ça m'a dépassé. C'est pourquoi que je dis à. Comment il s'appelle le chef de village. Dis ton nom. Comment André Damar. André Damar, que son anniversaire. Nous, moi, je serai aussi là-bas. Amen. Je vais danser à lui. Je vais faire tout avec lui à son anniversaire. Il m'a reçu. Moi, je vous reçois. Puis encore, je dis à tous ceux qui sont du village, ceux qui vont venir sur l'Amérique, si vous ne m'appelez pas, vous êtes amendé. Si je ne vous reçois pas, vous êtes amendé. Parce que c'est notre chef du village ici. Voilà. Hein? Donc, tout le monde n'est pas là. Oui. Voilà, tout le monde n'est pas là. Il y a Mélissa Labato qui n'est pas là. Il y a Evo Beauté qui n'est pas là. Puis Yako, qui encore, tu connais qui? On a une soeur. Nyako. Il voilà, y a Nyako qui n'est pas là aussi. Et bon, voilà. Mais moi, je veux dire quelque chose à André Dama. Je veux lui dire merci beaucoup pour ce qu'il a fait quand nous avons perdu notre maman. Je suis la grande soeur à Liliane Christelle. Donc, vraiment, merci. Merci du fond du cœur. Que Dieu bénisse ton cœur. Amen. Voilà. Mais il n'est pas chef de village pour ne rien. Vraiment, tu as le don. C'est ça, le talent même. Tu as fait ton devoir. Que Dieu te bénisse. Parce que mes soeurs m'ont fait le témoignage. Elles étaient très contentes. Ma grande soeur m'a parlé de toi. Donc vraiment, merci. Que Dieu te bénisse. C'est ta soeur Aïzé. Tu viens ici. Là. Je vais te charger comme ça. Marie Tanko elle-même. Je suis contente que tu aies mon. Comment on appelle ça?
le doux pays de ma, en plus de Liliane, tu as vu non? Je vais c'est faire Euro loco avec loco soupé. Nous chez nous on appelle ça Euro loco. Uh-huh. Et je vais faire comment on appelle sauce. C'est pas critique. Sauce long, sauce biqué avec siako. Nya mangue. Eh Vicky Yoyo, allez prendre au champ. Dans mon champ là, on va prendre d'autres là-bas. Un acquisienne. On va prendre pas trop. Dans mon champ, on va aller prendre pas trop là-bas, pas trop frère. Ouais, pas trop. On va mettre pas trop. J'ai vu plein de pas trop là-bas. Voilà, plein de pas trop. Vraiment, t'as riche. Quand j'ai quitté au champ hier, Bangui blanc, Bangui blanc. À l'entrée du village là, j'ai vu au bout du bout. Hein? Faut les appeler. J'ai dit à une. Ah, Mélissa. Ouais. Qui avait comme ça? J'ai dit, ah, c'est mon beau goût, du beau ou bien c'est qui? Avec Mélissa. Tu vois ses lunettes là, non? Mmh. Il a fait mon nom. Elle dit, au goût du beau, je t'ai vu, oh. Oh. Il dit, invite-toi, canon, pardon. J'ai dormi la nuit là. Tu ne m'as pas vu, elle dit, comment je t'ai vu. Et puis, elle suis venue, oh. Comme. J'aime ma soeur là. C'est ça, je lui dis, mon père, c'est. Pourquoi elle s'affresse? Au bout du quoi qu'elle a, si elle s'en va au champ, le jour qu'il dit qu'il est malade, là, il n'est pas malade. Mais tu sais que. C'est pour aller ramper dans les cases. Ah, c'est vous savez qu'au bout du quoi, nous, on l'a, dans le village voisin, ils l'ont pris, on l'a tapé comme un sorcier. Je vous dis, ah, j'ai dit, il est pris. Quel audit? Mais tu sais que sa femme n'a pas dit. Oui, on l'a pris contre le village voisin. Moi, je suis au courant, je l'ai vu. Poisson, ça y est, sacré. Dans les trucs, dans les villages, c'est ce que tu dis. Ça veut dire que. C'est pourquoi les montagnes sont trop sur le village. Toi, tu étais où quand en ce moment? Quand je savais que ce village-là ne voulait pas là. Ça veut dire qu'il y a les arbres noirs. Dans les arbres noirs. Les arbres noirs qui ne tombent pas la nuit là. Ah, sa jolie femme là. Donc, il a regardé poté là, il peut y en avoir. Hé! Il ne se marie pas. Parce qu'il est couillé là, il est joli. Mais pourquoi il a fait sa comme ça? Il a fait taper le Yuanyete. Je suis fière. Si j'ai fait le taper, donc comment il fait pour faire ce taper là? J'ai les gars, ils sont taqués. Tu sais qu'il paraît que la famille là, ils tous sont sorciers là-bas. Ah! Reste là, il n'a pas ramassé. Mais c'est pourquoi on a dit Anna Kizi n'a qu'à rester loin de lui. Ah! Ah oui? Parce que les yeux comme tu sais que. Anna Kizi, là, tu l'as vu. Anna Kizi, c'est la vieille du Goubien. Elle est vieille. Ah bon? Elle est vieille. Elle est la vieille du village. La vieille du village? Mais elle fait ciné nuit. Ah bon? Ah bon? Elle fait ciné nuit. C'est elle qui fait ciné nuit. Elle a bâti le 24. Parce qu'elle est vieille la journée, la nuit. Elle est du matin, ciné nuit. Mais pourquoi elle ne fait pas la ciné nuit? C'est là qu'elle est vieille. Mais attendez, il y a quelque chose aussi. Il paraît que mamie Blessina, c'est à partir de 22h, elle est saute. Hein? Chat noir pour aller pour monter dans. Elle là, c'est là. Elle est saute, tu t'avais quoi? Non, tout le monde. Elle va rentrer dans ma. En tout cas, si elle te trouve. Dans le village là. Elle a eu un trophée enfant. Son fils là. Mais c'est quoi ça fait Blessina? Elle est vraiment blessée, hein? Il paraît que son enfant, elle a eu ça, elle a voulu taper. Ah! On m'a fait Dieu n'était pas. Non. Qui a dit mon gogou taper? Non, c'est ce que j'ai appris. L'enfant, lui ressemble pas. Si. L'enfant, là, lui ressemble pas. Quand tu l'as bien, l'enfant. Non. Ça, c'est moi, toi, tu as menti. Parce que j'ai dit que. Non. C'est parce que j'ai dit que mon gogou taper a dit que ton mari, il l'a attrapé dans le village voisin. C'est là, tu as dit que l'enfant là c'est pour lui. J'ai non, c'est pas pour mais lui. Toi-même tu as dit que ton gogou tapé est non. Je t'ai dit. L'enfant là était né. L'enfant là.
Moi, j'ai... Non. C'est parce que l'enfant... L'enfant était né quand nous, on n'était pas contre le village. On était au campement là-bas. Quand on est venu au village, on a déménagé dans le village. L'enfant était né. Attends, avant que toi, tu ne viennes, il t'emmène dans... C'est lui qui t'a marié, qui t'a envoyé dans la rue. C'est pas ça? Avant que tu n'arrives dans le village, il avait déjà fait chat noir. Non. Mamie blesse, il n'a pas. Attends, je ne suis pas mort, je suis là pour parler de son nom. Je ne reconnais pas, puis je ne sais même pas de quoi il s'agit. Non, j'ai dit. Non, elle est si la fête. Ah, ok. Sinon, c'est elle qui a dit. Elle dit, tu ne dis pas la vérité. C'est si le fait de la colère. J'avais vu tout de suite là. Je parlais que beaucoup t'avaient habité dans le village voisin. Mais toi, tu n'as pas vu que Goku Tapé était chez Mélissa là-bas. Mélissa, le bateau. Il n'est pas là-bas. J'ai dit, il n'était pas toi-même. C'est le montage, on te dit ça. J'ai dit, laisse. Tu as dit qu'on a fait des montages que ton mari, là, tu es fan de lui. J'ai dit, laisse. Toi qui parles là, attends, on est dans le village là, on attend. Toi qui parles là. La semaine passée là, André Dama dit qu'il partait en ville. Il n'est pas parti en ville, tu sais où il était. Mais c'est pas lui qui disait. Il aime. Monsieur, ça là, je veux dire à Lucien Tapé, parce que c'est lui-même, quand on parle d'amour, Macabéry, c'est Lucien Tapé, mais qui dit non, ne faites pas ça. Mais lui aussi, lui et puis on vous aussi, tout ensemble, vous connaissez quoi. Il faisait quoi? Tu sais qui les a arrêtés? C'est Kéro qui dit Kéro dit, ne faites pas ça. J'ai dit, les deux sont collés dans le village voisin où on l'a attrapé, où on a attrapé l'autre. L'autre, il a voulu le citer, le gars a disparu. Il s'est cherché. Non, c'est les grands gourmands du village. Ils ont fini ça. Mais Lucien Tapé, lui, il est calme. Tu sais ce que Lucien Tapé voulait me faire? Ils sont arrivés, ils m'ont pris pour m'amener dans les bois sacrés. Il a voulu m'enfoncer dans le vin. Dans le bois, comme ça, ils m'ont attrapé. Ils ont donné banquier. Qui t'a sauvé? Mon ami, c'est un taximètre, je m'en sers. Heureusement, le taximètre est vite arrivé. Il est vite arrivé, il y a Mais Mary Love, là, même, son mari, là. Son fiancé, son doux pays là. Ouais. Hey. Tu l'as vu? Hein? Papa Rafa nous a fait pardon. Vicky, comment ça fait Vicky? Vicky. Vicky. La fois passée, moi j'ai dit. Non, j'ai dit Vicky. Moi je partais au champ. Je l'ai vu et dit, ah, mon beau, bonjour, où tu t'en matin? Elle dit non, je m'en vais à Daloa, en ville. Elle dit, ah bon. Il y avait une petite fille qui était là, Une petite fille. Maintenant, à mon retour, il y avait des jeunes filles qui partaient. Et le jeune là aussi, depuis le matin, il est venu, il ne veut pas partir. Ouais, je regarde là-bas, c'est Vicky. Ah, Marie, attends, tu es sûre. Mais je l'ai vu, elle a mes deux yeux. La Libanaise. La Libanaise. Marie de la Libanaise. J'ai dit, mais ça là. C'est notre marraine, le mari de notre marraine, je ne peux pas dire. Donc il m'a dit, ah, parce qu'elle-même, elle sait que quand il va dans les trucs là, il traîne dans les cages des femmes. Donc il a dit, hey, ça là, ma belle, il ne faut pas me dire. Donc c'est ça. Non, moi je suis en train de vous donner le nom de. Voilà, je vais aussi profiter aussi pour dire à mon ami Jean-Baptiste, je dis à Bobo. Je suis avec sa vidéo ici. Il a dit ça, Bobo. Tu la connais là, Elsa Bobo. C'est Désiré. Désiré Gabou, il a mis quoi. En fait, regarde depuis tu dis ce qu'ils ont fait, ce qui n'est pas normal. Parce que comme un homme lui est seul, arrêté derrière bouteille d'écran, un courant collage en train de taper, il est seul. C'est pas normal ça. Merci. Bon appétit, mon grand. Je vais les commenter d'abord. Voilà, le bon mois là. Laïssa Bobo, bisous à toi là-bas. Mary Love, bisous aussi à toi. Attends, je vais voir tout ça. Tout ça, c'est Laïssa Bobo qui a répondu. On a attaqué la cause qui est fatiguée. Zéphirin Zah, merci là-bas.
Andrew, merci là-bas. Au Padre. Au Padre. Au Padre. Ah oui, au Padre, t'as vu, on est police. Quoi, Zozo. Zozo Lagachou. Ton nom là, c'est bon, hein, Zozo Lagachou. Il est ici. Bon, merci d'abord, merci à toi aussi. Zozo, n'a qu'à venir ici, n'a qu'à nous joindre. Il n'a qu'à nous appeler au 609 672 96 hein, pour que la famille puisse se réunir pour accomplir les choses. Voilà. Voilà, ben, on fait qui a quelque chose que tu as dit à Mathieu Doubé parce que moi, je voulais poser une question à Obou Doubé. Obou Doubé, oui. Parce que son nom là, je vois pourquoi j'ai donné Obou Doubé. C'est parce qu'ils l'ont attrapé. Il a changé. C'est ma chère. Pour le point qu'on le reconnaît. C'est là, il a mis Dick. Comme ça, Doubé est là. Peut-être qu'il peut répondre. Sinon, c'était ma question. Pourquoi Obou Doubé est devenu Obou Doubé si c'est passé les autres lettres? Tu parles de changer le nom. Qui a été le premier à changer le nom d'Aïzira? Qui a changé le nom d'Aïzira? Faut nous affaire. Comment il André Damon, c'est pas comment il s'appelle maintenant. André Damon, on ne peut plus prononcer ça. André Damon, André Damon. André Damon. Il va déjà donner les raisons. Moi, je connais les raisons. Moi, je connais les raisons. Non, je sais. Moi, je connais les raisons. Mais moi, je pose maintenant ma question à Obou Doubé. Mais est-ce que toi, Jocelyne, tu m'as posé la question, pourquoi, comment... Voilà. Tu sais pourquoi il a changé le nom? Non. Quand il va aller dans les autres villages là, quand ils vont dire on a vu lui là, est-ce que tu le connais? Non. Ah, j'ai dit, c'est pas la vraie personne, moi j'ai les échos. Moi j'ai les échos. Ce que Obou m'a dit, il a changé son nom parce que toutes les femmes d'Aïse veulent de lui. Dans ce village là, tous les jours. Quand elle s'arrête devant notre case là, c'est pour dire Obou Doubé, Obou Doubé. Donc il a préféré changer son nom comme ça. Obou Doubé, comment il s'appelle? Bon voilà, moi j'ai les vrais échos. Ok. Donne les échos. Il a été surpris dans le village voisin. Mais là, il a changé son nom. Par contre, on le cherche. C'est ça, il a dit Obou Doubé. Il a mis Obou Doubé. Ah, quand Obou Doubé est venu, il m'a soufflé ça. Donc, c'est on l'a pris là-bas, il cherche son nom. Non, mais la vraie version, c'est ça. Ils l'ont attrapé, c'est ça, il a dit au bout du. C'est fugitif. C'est à cause de. Mais tu as le magasin. Parce qu'on dit, ils vont le mettre Gopon. Attends, Gopon, pareil. Voilà. C'est à cause de Gopon là, il a mis Dip. Dans ce village. On dit, on cherche au bout du bœuf. Si on dit, on dit Dip. Dans ce village-là, qui met Gopon aux gens? C'est Zéphiré, ça. Ok. Prochainement, avant de mettre Gopon dans les yeux de quelqu'un, mets shérif. Chez lui d'abord, avant de mettre ça chez lui. Tu as vu déjà, ton mari est tombé. Toi, tu as dit que. Maintenant, là, tu vas raser tout le monde sous le bigot. Dis-moi, qui tu penses que tu vas raser? Parce que tous ceux que tu vois là, ils ont été tous attrapés par le bigot. Là, qui est bien? J'ai dit, ça dépend de. C'est entre Mary Love. Non, Mary Love. Parce que Mary Love, c'est elle qui. Michel Dibé. Ah bon? Grand-père kenyan, mais de la lignée de BT. Vous ne voyez pas son teint? Oui, c'est un BT. C'est un fraquet BT. Vraiment, je salue. Il est métis BT. Mes soeurs d'Anise et Gribe, mes frères d'Anise et Gribe. Vraiment, vous êtes formidables. Toute la famille. Toute la famille gribétique. Les gars, continuez comme vous ça. Vous avez vu? N'arrêtez pas de. Voilà l'arbre du village. Yeah, le grand baobab. D'ailleurs, tu as mis un commentaire de Ayo, tout le monde t'a répondu et tu n'as pas encore répondu. Tu as le commentaire de Anna Kizi qui te dit Ayo, Larissa Bobo, Dorothée Bouroua, okay. Evo Beauté, Julie Dibé, Marie Tapé. Quand ça? En quelle année? On a quelle année?
Ah, oh non, en quelle année, oh. Je vais répondre à tout ça. Oui, tu dois répondre. Mais c'est maintenant, elle a fait ça ou bien alors? Dès que elle a fait ça hier. Elle a mis son commentaire. Elle a mis ça. Dès que je quitte le champ, hier, elle a fait, il y a 15h de cela qu'elle a mis ce commentaire. Dès que je quitte le champ, parce qu'aujourd'hui, là, comme je suis encore célibataire, bah, dans ce, il y a bien, tu ne dois pas épouser. Comment on appelle mon frère Goku Tapé avait, il y avait un palmier qui est tombé sur ma route. Donc, c'est lui qui m'a aidé à enlever ce palmier là. Donc, ça m'a pris du temps pour répondre. Ok. Ok. Voilà, maintenant là, je vais répondre. Ok. Merci là-bas. Pas de soucis. Jocelyn, où est Goku Tapé? Mais il est allé au champ ou bien? Oui, il est au champ. On a fait un nouveau champ de riz là. Il est là-bas. Goku Tapé. Goku Tapé. Ah! Ah, viens. Attends, je suis au champ. Seco. Allons au champ. Tu me connais où? Beaucoup de gars. Après, vous avez dit que c'est montage. Après, vous avez dit que c'est montage. Vis-à-vis, vis-à-vis. Laissez ça. Sinon, mon goût de gars, il est au champ. Tu es sûr qu'il est au champ? Oui, je suis sûr. On a un champ de riz là. Bon, la semaine prochaine, on vous invite. Non, on l'a vu ta voiture. Dans le champ. Dans Dina. Ouais, c'est celui-là qui est nest. Allô? T'as rentré dedans. Oui. Voilà, elle, je suis invitée. Donc il a sa beau femme. Oui. J'ai pas compté, ça est dans mon sac. Vous voyez. Je vais te rappeler comme on est dans un truc là, on fait une réunion de famille. Je vais te rappeler. Et toi, moi, Marie. Où je suis entré et parler là, on regarde dans ma bouche, j'ai vu un tonneau. Ce qui est sur, c'est écrit, je n'ai pas ouvert. Sinon, c'est, je ne sais pas. Hein. Quand je vais finir, je vais te rappeler. À tout à l'heure. Non, mais voilà. Blessing, mami, blessing, c'est la femme. C'est encore un truc tourné. Avant, tu t'en rappelles. Maman, blessing, elle fait la vie. Moi, je la vois ici avec. Là, à Paris. Il y a comment elle est à Paris en train de faire le show là-bas, comme ça, avec sa fille. Bon, dites au revoir maintenant. Laissez un dernier mot. Bon, voilà. Merci à tout le monde, à Isaac Gribeux. Voilà, bon, voilà, nous, on va. On a mangé. On tire à nos la nourriture. Hein. Les femmes nous ont fait à manger en 10 minutes. Mère, Marie Tapé est rentrée à la cuisine. C'est sorti. A checké. Bon, content. Avec victoire. Avec victoire, hein, non? Quand t'as vu toi. Allez, vu toi, sors, arrêtez dans la cuisine, nous avons fait quelque chose. Pour nous recevoir, voilà, ça qui est derrière vous. Voilà, elle est venue là, avec tout poulet. Moi, je suis venu avec du poisson, c'est ça, non? Oui. Puis elle est venue. T'es venu avec quelle banane? Elle est voie assiette à ta. Elle est voie assiette à ta aussi. Elle a pris 20 dollars de crédit. C'est pas crédit, c'est participation. Ah, ça! Le caméraman. Donc, elle est ici. Voilà. Elle a envoyé la glace. Avec une glacière. Oui, c'est sa glacière qui est là. D'habitude, c'est ce qu'on prend pour aller. Pour marcher. Quand il y a les fêtes du village, on met le Nyama. Chaque dimanche, au marché. C'est sa glacière du village. Et le caméraman ne doit pas passer là. Bon. Le caméraman ne peut pas passer parce qu'il n'est pas dans l'île. Il n'est pas du village, il est du village voisin. Mais c'est dans son village qu'on a attrapé ton gars là. Ah bon? Donc c'est lui qui a dit ça alors. Non, mais lui on l'a vu, nous on passe, on l'a vu. Lui il n'a pas dit ça. Mais c'est dans son village. On l'a mis, on a attaché un pied de ton mari. Tout ce qu'on prend.
paix. Je suis là pour défendre Ovidi. Tu as le défendre, mais lui-même, on l'a attrapé. On l'a attrapé, faut laisser lui-même, il va parler. Et puis, il fallait voir, je vais attacher un pied. Puis, je représente Ovidi 2. Qui dit Ovidi 2 dit Série Jocelyne. Safroulaye. Jocelyne Damou. Safroulaye. D'après mon ami André Damas. Laissez-la, elle la honte. J'ai pas honte. On l'a attrapé au goût du bois, en train de laper des trucs quelque part là-bas. Kéro même au courant de ça. Non. Demande à Kéro. Non, mais Kéro, lui, pourquoi parler de la paix? Lui, mais il fait quoi là-bas? Quand il dit qu'il a placé à l'angle, ça tombe tous les jours, il est là. Et c'est pas dit qu'il n'a pas eu diplôme dans la page d'encore. Mais le chef du village lui a donné le diplôme. Parce que lui, c'est les anciens du village, non? Oui. On lui a donné le diplôme. Ah, en ce temps, tu étais au allô? Ok. J'ai oublié de te dire. Mais toi, tu ne fais pas au champ. Au champ, c'était fait champ des riz. Elle habite là-bas, au moins. Ah, bon. Mais pourquoi tu as champ des riz, Manioc, et puis vous venez toujours demander le riz? C'est parce que maintenant, la terre est semée, plantée, donc c'est pas encore présent. On va faire. Vraiment, Ogou et moi, vraiment, nous sommes fatigués maintenant. Tous les jours, Liliane Christelle, elle demande. Mais si tu demandes pas, au lieu de voler, c'est lui de demander. Maintenant, c'est toi ou André Damas? Lui-même, c'est lui qui vient taper la porte d'abord. Mais dis donc. Il tape la porte, maintenant c'est... Non, souvent, et bien là, elle est derrière, elle qui vient. Non, souvent, quand lui vient là. Quand ouvre la porte net, quand je regarde, c'est elle qui est là. Quand on les voit, mais on sent que vraiment, j'ai déjà la nourriture, je l'ai donnée. Vraiment, donnez-nous le temps, on va se réunir. Il n'y a pas de problème, c'est que si le riz, on va bientôt trouver ça dans 2 semaines. Donc, donc il faut nous inviter, on va... Non, mais c'est ça. Comment inviter, comment? Mais riz, là, tu ne peux pas couper ça toi seul. Ou bien? Je vais appeler les macabres, là, ils vont venir couper. Ah, là. C'est macabre, on va couper ton riz. Oui. Et si, bon. Il faut envoyer la caméra dans. Amène-moi, j'ai coupé ton riz. Ah, je te donne 2 parties, les gars. Il y a caméra d'achat. Là. Mais Lily, si tu coupes ton riz, dans le champ de riz, là, il fait un trou comme ça. Où il passe avec le riz et puis ça va donner ça. Jocelyne Seri, devant moi-même. Dans le trou que j'ai vu dans mon champ. Tu as vu notre riz qu'on a. Nourriture même là, c'est beaucoup. Mon frère, pourquoi il va caméraman, aller? Caméraman. Regarde là-bas. Tout ces riz là, c'est pour ma femme. Ah bon? On ne garde pas mon nom ici. Moi-même. Carrément. Regarde là-bas. Même les Américains disent pourquoi on a fait rien là-bas. Tout ça, c'est pour ma femme. Je pensais que Banon qui était là, le chat là, c'était pour les mosis. Qui est mosis? Non, tu as vu tout ça, non? Ça, carrément. Wow. Vous prenez ici, de ce groupe là. Ignamo. Banano, comment on appelle du riz, tout, gombo. On appelle ça un petit tête. Combien de mossis vous avez pris pour travailler dans vos champs? Tous les mossis nous appartiennent. Quatre à d'abord. Ils nous appartiennent. Non, les gars, mané. Mossis à Guyou. Non, mossis à Guyou, ma peau. Ah, ils sont très frères. Carrément. Yahoo. Il va faire gros trou même, il va faire quoi là-bas? Il voulait faire plaisir à chose. Comment il s'appelle? Oh, André Dama, parce qu'il ne va même pas au champ. Il va pas au champ. Il est toujours couché. C'est là qu'il demande nourriture là. Non, il va aller faire quoi? Mais moi, vraiment, je n'ai pas travaillé. Il faut travailler parce que je suis seul. Je suis seul quoi. Ok. Donc je préfère embaucher Audra. Modrago Zambiara. Donc c'est toi qui l'as embauché là. Waouh. Avec sa femme. Et ses 2 enfants. C'est eux qui coupent mon riz. Ah là c'est bien. Parce donc, que j'ai au moins 3 comme ça. Parce que toi au moins pour toi. Ils mettent quoi? Quand j'ai croisé Ouadraogo, je lui ai demandé d'où tu viens. Il m'avait dit qu'il venait de quelque part là-bas. Pour... Je ne savais pas que c'était là. C'était dans mon champ. Ah, ok. Juste parce que Mary Love. Mary Love me donne un bras. Attends, elle va donner son quoi? Jusqu'à ce que Mary Love me donne un bras moro. Je ne veux pas les choses, les bras minces là. Ceux qui vont faire une machette. André Dama a fait quoi? Il ne va pas au champ parce qu'il y a les Ouadraogo pour les terres. André Dama, il ne va pas au champ parce qu'il est dans la case des gens. On est au courant de ça. Même si on nettoie le champ, là, tu peux aller marcher là-bas. Non, mais il va marcher. On a les échos. On l'a jamais vu. On a les échos. Mais il y a les caméras là-bas, il est chez lui, il voit. Il va aller faire quoi? Et puis André Dama aussi, quand la caméra l'attrape, là, ça l'attrape. Ça l'attrape. Ah, carrément. J'ai ses yeux, même souvent, il y a les coins où ça ne doit pas être. C'est bric. Ah bon? Tu n'as pas encore vu? Mais c'est les rumeurs, tout ça.
Si je suis sa femme, elle s'appelle Madame Rumeur. En tout cas. Capitaine Rumeur. Elle était allée dans la cage des gens, elle a attrapé, elle avait dit c'est Rumeur. Oui. Mais c'est vous savez, la femme de Goku, la double de Goku tapé là. Ses yeux aussi sont dangereux. Elle a dit à Maman Blessing, Mamie Blessing, mes yeux là. Je t'ai vu mes deux yeux. Je vois des. Parce que maintenant, dans ce village là, pour trouver Doubéi là, c'est difficile. Très difficile. T'as vu, tu vois, il y a longtemps que tu n'as pas de Doubéi. C'est difficile. Parce que je n'ai pas encore donc, quand tu trouves pour toi net là, j'ai dit, les raseuses là, veux pas là. J'étais rentrée en brousse. Maintenant, elle est sortie. Voilà, j'ai fait surface. Voilà. Sinon, je veux. Il y a Doubéi et puis il y a Doubéi. Sexy. Non, c'est pas vos Doubéi qui ne peuvent pas nettoyer la plantation. Là, hein. Moi, pour moi, je t'ai dit mon Wodrago là, et sa femme me font le champ. Et vraiment, je n'ai pas besoin de quelqu'un, mais maintenant, je suis prêt. Donc, ce n'est pas un Doubéi qui ne peut rien faire là. Que qui a quitté aux États-Unis ici, qu'on a mené dans Bois Sacré. Qui a failli baisser le plus il allait c'est pas plaisir, il allait mais c'est pas plaisir, c'est pas plaisir. Il a dit que... On l'a amené dans le bois sacré, et on a failli baisser nos visas parce qu'il venait des États-Unis. Il dit, mais quand même, on peut me ramasser en bas de... Non, on va dire au revoir. D'accord, mais là, tout le monde dit au revoir, et puis fait des bisous à chacun là-bas. Et maintenant, on est parti. Bisous. Ah, un bisou, vous commencez là-bas, toi. Ok. Vraiment, moi, je suis heureuse d'appartenir à un village, une famille, un clan. Voilà. Aïe, soyons unis. Voilà. Soyons unis. Avec les machettes. Délivrer notre village. Maintenant, chacun doit avoir son canon. Contrôler les gens. Voilà. Tirer avec les kalachnikov. Voilà. On doit surveiller le village. Contre les envahisseurs. Ceux qui parlent, ne parlent pas bêté, mais qui renversent ça. Autochtone, Orikiki. Voilà. Donc, Aïse, on se retrouve. Que Dieu vous bénisse. Je te rappelle. Ok, Anise. Vraiment, j'aime mon village. Parce que mon village, Anise Gribe, n'est pas comme les autres villages. Vraiment, je fais bisous à tout le monde. Je salue tout le monde. Je suis très contente parce que moi, c'est moi seule, je suis heureuse. Moi, mon Doubéi à côté de moi. Les aigris, là, elles pleurent toujours. Dieu m'a fait vraiment grâce. Donc, je dis merci à tout le monde, ceux qui ont accueilli mon beaucoup tapé. Mamie Blessing, bisous. Bon, voilà, moi c'est Léo Tapé. Je veux vraiment vous dire merci une fois. Merci à toutes ces soeurs qui ont effectué le déplacement depuis. Leurs différentes maisons pour être là ce soir. Merci à Ezekibou, Abidjan, Paris, London, un peu partout. Merci encore. Comme elle a dit, restons sereins, restons unis et puis on continue de s'aider comme ça. Voilà. Je dis et quoi, je répète, si tu arrives aux États-Unis, mon numéro c'est 609-672-90-10. 609-672-90-10. Appelez-moi, le numéro est écrit en bas, juste appelez-moi. De la manière que j'ai été reçu, je vais essayer aussi d'essayer de recevoir les autres. Ok? Merci encore, merci. Ciao. Voilà. Eh, vraiment, tu te vis là-haut. Aïe, je vous salue, je vous fais un gros coucou. Coucou à tout le monde. C'est qui ça là? Coucou
Akero, le lapin. Ben Akero, en train de laper, il a tellement bien ici. À Mamie Blessing, la championne des chats noirs. Anna Kizi, à Mary Love, ma marraine. À tout le monde, je parle de tout le monde. Vous êtes adorables, c'est vraiment une famille. Vraiment, je vous adore. Je suis vraiment contente de tout ce que vous faites dans le groupe. Parce que les aides que vous apportez, les cotisations, quand quelqu'un a des problèmes, tout ça. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse et qu'on reste en contact. Love you all. C'est moi, j'en suis une série. Je revois tout à l'ICE, je remercie tous les deux. Mon chéri, il est en vacances. Je pense qu'il doit arriver l'année prochaine. Je suis prête à Dieu, Ogou va arriver ici l'année prochaine. Donc l'année prochaine, on sera aussi ensemble comme Victoire et puis son Ogou Tapé. Ogou Tapé, ah bon. Il n'y a rien de jalousie. Il n'y a rien de jalousie. Ah oh, ah oh, ah oh, ah oh. Il n'y a rien de jalousie. Avant la chanson, qu'on a fini. Quand on va finir la chanson. Quelle chanson maintenant? Une bonne chanson de Betty là. Non, il ne peut pas chanter. Bisous à Isé et... Non, on va doit finir la chanson.
passer.